final, vol est sorti. Le vent est presque dans l'axe, donc ça rentre tranquillement. Voilà, c'est posé. Voilà, virage des 360 dans un espace très serré. Voilà, on va suivre tranquillement l'évolution. Vertical terrain maintenant. Christian Chosy avait créé un petit baron, c'en est un, de 1m50 d'envergure. Et je l'ai eu comme avion. Il y avait avant Michel. Et donc aujourd'hui je l'ai. C'est un avion de papy. Je l'ai réalisé en 3 mètres parce que j'avais de bons souvenirs de cet avion. J'ai représenté le modèle d'un capitaine qui s'est battu pour nous sur les côtes françaises, c'est-à-dire le capitaine Leslie Holden. C'était un Australien. C'est pour ça que mon avion a un emblème avec un A et un kangourou à l'intérieur. C'était son emblème. Et donc c'est un avion qui a... Il était instructeur, ce monsieur, sur les côtes anglaises. Et il a été pris longtemps pour le Baron Rouge. On a perdu un pilote pour un circuit stop là. Est-ce qu'on l'a retrouvé là, la livraison? Et le remorqueur rapproche. Est-ce qu'on va sortir les ailes maintenant ou est-ce qu'on va faire un tour? On repart pour un tour. Voilà. Perte d'altitude quasiment nulle avec l'énergie emmagasinée. Une nouvelle présentation pour un atterrissage. Alors, messieurs les pilotes, pensez que là où est le planeur actuellement, c'est du colza. Et le colza est un poison pour nos petits avions, non pas parce que ça n'amortit pas le choc, mais c'est parce qu'on a beaucoup de mal à pénétrer pour aller récupérer le matériel. Donc, soyez vigilants. Voilà, on sort le AF et un très très bel atterrissage. Médiocris. Tout en douceur, comme il se doit. Bravo. Super, Patrick.